Le système de freinage automatique en marche arrière peut aider le conducteur lorsque le véhicule recule. Si un risque de collision avec un obstacle est détecté lorsque le véhicule recule, le témoin d'avertissement du système se met à clignoter dans le centre d'information du véhicule. Un cadre rouge s'affiche dans l'écran central si le véhicule en est équipé et le carillon du système retentit 3 fois. Le système freine alors automatiquement. Une fois le système automatique de freinage engagé, le conducteur doit appuyer sur la pédale de frein pour maintenir la pression de freinage. Le système détecte les obstacles situés derrière le véhicule à l'aide de capteurs sonores situés sur le pare-choc arrière. Pour désactiver le système, appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le menu réglage s'affiche. Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner « Assistance au conducteur ». Puis, appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez « Frein d'urgence », puis appuyez sur le bouton « OK ». Maintenant, sélectionnez « Arrière » et appuyez sur le bouton « OK » pour activer ou désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.